Toutes ces recherches m'ont amené au même endroit, au bord de l'eau. C'est là que j'essaierai de comprendre ce qui s'est passé. C'est là que certainement je retournerai. Avec le peuple de la mer. Grand départ aujourd'hui pour une mission aventure, une mission étrange, un moment de recherche et de quête pour essayer de savoir si ça existe. Je ne peux pas vraiment en dire plus, je vous dis à très vite et j'espère que ça va bien se passer. Après avoir roulé une grande partie de la journée d'hier, je me retrouve dans cette vieille maison de ce village plutôt calme. J'ai apporté mes affaires. On m'a offert l'hospitalité et je ne sais pas ce que la journée me réserve. Mais mon enquête continue. Oh. Bien. Ma première quête concerne la sainte ampoule. C'est une ampoule étrange avec un non-visage et je vais chercher dans un magasin autochtone une ampoule similaire. Je vais tenter de rejoindre les shops aux ampoules en passant par les dédales. J'espère ne pas tomber sur le Minotaure. Rue des rampes. Hop là. Hop là. Bonjour. Bonjour. On m'a dit d'aller sur ce chemin un petit peu en dehors du village pour essayer de rencontrer un vieux. Parce que les vieux, c'est mystérieux. Il paraît que le vieux est caché sous les oliviers, là-bas au loin. Ah, c'est peut-être lui le vénérable. Bonjour. C'est vous le vénérable des oliviers? Non, c'est lui. Ah, peut-être c'est lui. Là, il y a un fauteuil. Bonjour. C'est vous le vénérable des oliviers? Non? Là-bas alors. Ah. Bonjour. Bonjour. Me voilà de nouveau à la croisée de quatre chemins et je ne sais pas lequel prendre. Celui-ci. Celui-ci en face. Un autre qui recule, qui va, je pense, vers d'autres oliviers. Un autre qui part dans les vignes. Alors, trouver une direction, j'ai 45%, ça fait 80, 84, c'est raté.